L'interdiction des manifestations par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cela a commencé depuis hier, mardi 7-8 mois 2018. L'observation à ce point, d'une part, est d'observer l'annulation, exiger l'annulation de cette décision. Et cela dérive d'un abus administratif. La commission juridique, en collaboration avec l'OGDH, point 2. La conférence de presse. Déjà, nous sommes là-dedans et c'est pour vous dire que c'est annoté et il fallait donc signifier. Troisième point. Organisation d'une journée sans activité. Ici, à Conakry. Organisation d'un meeting cher sur le terrain de Nongo. L'objectif, dénoncer et remobiliser les citoyens face à la réduction du prix du carburant à 8000 francs. 5. Animation des émissions radio et télévision. Cette animation se fera en synergie, force sociale, mouvement syndical. L'objectif, remobilisation. Point 6. Organisation de sitting. Lieu, assemblée, l'Assemblée nationale. Objectif, leur dire qu'ils sont élus par le peuple, ils doivent motiver à ce que l'exécutif reste et demeure à l'écoute du peuple. Point 7. Organisation d'une marche pacifique. L'itinéraire sera défini et la date vous sera donnée. Encore une fois de plus, nul n'est étrange à la marche pacifique des forces sociales. Ça se fait pacifiquement, dans un ordre bien déterminé, pour dire une fois de plus, 8000. C'est bon. Je vous remercie. Merci.